Les plus belles actions de mars dans votre top 10 présenté par Rentecar. Numéro 10, Wemby la joue comme Waiters. Double ration de passes dans le dos offerte par la connexion des W. Celle-ci pour Thomas. 19 points, 12 rebonds de passes, 4 contre pour Wembanyama au portel. À la 9ème place, dans le Prince de Bel-Air, la danse de Carlton a inspiré toute une génération. Pour Josh Carlton en LNB, c'est par ses contres qu'on va retenir son nom. L'intérieur américain se classe 6ème dans cette catégorie. Numéro 8, Graveline Dunkerque est passé dans le positif depuis son arrivée. Kenny Boynton en leader, assume son rôle et sait dans le Money Time prendre ses responsabilités. Game winner à Strasbourg, plus de 20 points marqués sur 7 de ses 11 matchs au BCM. Numéro 7, Marcus Kine pour la SIG rêve d'arracher la prolongue à l'Astrobal, mais Youssouf Afal va faire sa loi. Le Sénégalais en fait une affaire de prédateur face à sa proie. Attrapé en l'air à quelques secondes de la fin du match, Lyon-Villeurbanne a remporté ses 4 rencontres de Betclic Elite en mars. En 6ème position, Mathieu Gauzin. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu aller au cercle comme ça. Des jambes de feu dans l'entame, Mathieu Gauzin. Poster bien saignant sur DeAndre Lansdowne. Numéro 5, il y a 10 ans, Jeremy Evans remportait le concours de dunk en NBA. Les années sont passées, mais l'ailier est toujours capable de monter. Cet homme a 35 ans, je répète, cet homme a 35 ans. Allez hoop en grimpant sur Nikolic. Numéro 4, 16 319 spectateurs à la U Arena, record d'affluence battu pour un match de Betclic Elite. Des fans qui ont pu apprécier face à Nanterre le génie du maestro Nando De Colo. Des caviars pour régaler un certain Aminois à base de passes au-dessus de la tête ou tout simplement dans le dos. 9 offrandes au total pour le créateur de l'ASVEL et la victoire en prime. À la 3ème place, c'est un scénario qui comptera peut-être dans la bataille du maintien. Thomas Corneli au Palais des Sports enfile par deux fois le costume du héros. D'abord pour arracher la prolongation, puis pour offrir la victoire à la Diablois pour le plus grand malheur de Pau. Les deux shoots sont complètement dingues de la part de l'ancien de Limoges et les Blaisois remontent à la 15ème place. Numéro 2, Shima Moneke a retrouvé la France fin janvier. Après un séjour chez les Kings, le revoilà pour proposer des dingueries sur le territoire princier. À deux doigts de se cogner au plafond de Gaston Médecin sur cette passe lobée d'Okobo. Victoire tranquille face au portel et Monaco reste le solide leader du championnat. Et le numéro 1 du mois de mars, Cameron McGree voulait absolument marquer le coup pour son premier match à Antares devant ses supporters. Lancé pleine balle, l'ailier voit Benke l'emmène en enfer. 22 points, record perso en LNB pour McGriff avec en prime contre le BCM. Un monstrueux poster.